Nous venons de constater officiellement la non-venue des organisations professionnelles à cette réunion. Par un manque de respect pour les salariés, nous allons envisager une suite qui va essayer de booster ce gouvernement pour les faire revenir à la raison. On va se diriger ensemble en intersyndical maintenant vers Matignon pour interpeller le Premier ministre pour les faire revenir à la raison. On ne peut pas continuer comme ça dans ce pays, à continuellement aider les entreprises à les mettre sous perfusion avec l'argent public et que derrière il n'y ait pas de retour pour les salariés. Ça, c'est pas acceptable. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux gars sur le terrain ? De continuer et d'amplifier les mouvements. Il est hors de question de lâcher. Les gars n'ont pas fait pratiquement une semaine de grève pour lâcher aujourd'hui. Honnêtement, c'était la stupeur hier soir quand j'ai vu leur communiqué. On est dans une situation complètement inédite. On n'a jamais connu une telle situation où dans une période de conflit, la partie patronale fait un bras d'honneur à l'État, refuse de venir à la table des négociations. Mais dans quel pays on vit là ? C'est complètement hallucinant. Et le seul aujourd'hui qui peut effectivement remettre tout le monde autour de la table, c'est l'État. À partir du moment où, je le dis et je le répète, cette filière transport est sous perfusion d'aide publique, je pense que le gouvernement a son mot à dire, puisqu'il a sûrement des possibilités de au moins stopper les aides publiques si le dialogue social ne se fluctue pas dans cette profession. Je pense que c'est un premier pas d'Alain Vidalis. Il n'est pas d'une très très grande fermeté, mais il démontre qu'il nous donne raison, puisqu'il indique qu'effectivement il n'y a pas de dialogue social depuis 2 ans et que les salaires ne bougent pas dans cette profession et qu'ils sont collés au SMIC. Et que bon, effectivement, il rappelle à la raison les organisations professionnelles pour venir autour de cette table.